tout le monde, c'est Yuyu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une bonne vidéo assez spéciale. Car aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Brawl Stars Pack Opening. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de pack opening, les gars. Pour ceux qui le savent, il y a un tout nouveau perso qui est sorti. Ça s'appelle Gus. Bon, ça fait quand même plusieurs jours là qu'il est sorti. Moi, j'avais complètement oublié. Et du coup, je me suis dit, autant faire une petite vidéo. On va essayer de débloquer Gus. On va essayer de le maxer. Et on va un peu se le jouer. Voilà, on va faire les trois à la fois. Alors, déjà, on a Gus qui est un brawler super rare. On va essayer de le débloquer. C'est un brawler déjà de soutien. Il va plus être fort en 3v3, etc. Eh, Brawl Stars, pourquoi il n'y a pas de méga boîte? Ok, on commence déjà le pack opening. 500. Imaginez, je débloque Gus déjà. Ouh, 46 pièces. Vous savez que quand il n'y a pas beaucoup de pièces sur une boîte, les gars, moins il y a de pièces sur une boîte, plus vous avez de chances de débloquer un truc, un gros truc à l'intérieur. Mais voilà. Et moi, ça, j'ai découvert en plus au début du jeu. C'est comme ça en plus que j'ai su qu'il y avait Corbac dans ma boîte. Genre, un jour, j'avais ouvert une boîte. Il y avait Corbac à l'intérieur. J'ai vu, oh, il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est-à-dire, à l'intérieur, on aura peut-être un Star Power. Non, c'était beaucoup plus qu'un Star Power. C'était Corbac carrément. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent l'avoir, hop, je vous la mets en haut à droite. Là, vous voyez le petit i, s'il y en a qui veulent l'avoir. Voilà, voilà. Ok, on commence déjà le pack opening. Ok, on commence directement le pack opening avec une méga boîte directement. C'est bon, je l'ai débloqué. Allez, let's go. Et c'est la danse des canards. Ok, non, c'est pas grave, je deviens gênant. 163 pièces, c'est-à-dire il y a quand même de grosses choses à l'intérieur. Imaginez, je débloque Gus dès le début. Bien évidemment, c'est Gus, les gars. Ah non, quoi que. Et vous savez qu'il y a le gadget de Sam. Il y a le gadget de Sam, donc il y a des chances que je débloque le gadget de Sam. Attention, attention. Moment suspense civique. Le monteur met une musique. Moi, c'est bon, hop, le pack opening, on le bâcle. On le bâcle le pack opening avec nous. Oh, toutes les quêtes à récupérer. Bon, déjà, première chose, hop, on va aller dans magasin avec le point de club des machins. Et on va déjà tout se mettre sur Gus jusqu'à qu'il soit P10. C'est-à-dire que là, le monteur, il va mettre en accéléré à partir de maintenant. C'est long, hein. Vraiment, c'est assez long, on va pas se mentir. Tac, on descend tout en bas, hop, on améliore Gus. Tac, 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 tac. Ok, je vais à la vitesse de lumière, on enchaîne comme pas possible. Mais voilà, c'est nickel. Et on a notre Gus déjà pouvoir 9. Et là, il nous manque encore 890 points de pouvoir. Encore 8 fois. Ok, on va encore en acheter 8, histoire de le mettre P10. Et enfin, le dernier, le dernier, le dernier. Let's go, bébé. Allez, hop, on peut aller s'améliorer notre petit Gus pouvoir 10. Et là, maintenant, objectif, ce sera de débloquer les gadgets. Oh, wesh, il me reste déjà plus que 9000 pièces. Oh. D'ailleurs, les gars, s'il y a 200 likes sur cette vidéo, je vais vous faire un tuto comment monter Gus rentrant. Bien évidemment, donc je le montrerai. Monterai rentrant pour vous donner après toutes les astuces que j'ai pu découvrir avec Gus, les petites techniques à faire, comment bien pouvoir jouer, etc. Voilà, je vous donnerai des astuces comment mettre rentrant et voilà. Hop, on continue encore à ouvrir des boîtes. Hein. Tant qu'il y a des boîtes, on en a encore. Hein. Ok, hop, petit gear, ça fait plaisir. On retourne encore un chouïa en arrière. Let's go. Oh, c'est des jokers. Ok, d'accord. On a 50 jokers, donc on pourrait mettre. Allez, je trouve le premier venu. Non, en vrai, non, je crois qu'il fallait que je mette sur Meg. Ok, on a une petite méga boîte. Chiffre 6. Ok, bon, en vrai, les chiffres 6, en vrai, c'est un peu gâché, mais maintenant le chiffre 6 sur les mégawatts. D'ailleurs, j'ai toujours pas de brawler P. Oh, 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 let's go, bébé. Eh, je vous avais dit quoi? Let's go. Eh, les mégawatts, elles sont même pas. Wesh, on a deux trucs. Non, attendez, attendez, attendez. Wow. Ok, hop, petit gears de. Enfin, petit gadget de Gus, ça fait toujours plaisir. On a le Star Power. En fait, on a tout débloqué. En fait, c'est bon, allez, pas. La vidéo est terminée, les gars. Hop, merci d'avoir suivi la vidéo. Tchuss. Wesh, ouais, incroyable la méga boîte. Oh, ça mérite un screen magnifique. Allez, hop. Ok, là, il manque plus que le gadget de Sam. Je vais essayer quand même de débloquer le gadget de Sam. Je sens que je vais galérer. Je sais pas pourquoi, je sens. Let's go, bébé. Allez, hop, 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 4, 3, 2, 1, hop. On perd pas de temps, on a déjà le gadget de Sam. Eh, franchement, les gars, c'est pas pour me mentir, mais j'ai de la chance, hein. J'ai même pas ouvert beaucoup de boîtes. C'est-à-dire, là, en plus, là, il faudra que j'ouvre tout dans les 34 jours qui viennent. Ok, intéressant. Bon, bah, du coup, on va se partir avec notre Gus en game. Je pense qu'on va tomber que face à des bots, parce que ils sont tous nuls à battre au fait, on va pas se mentir. Genre, je vais tomber avec des Thomas 753, je vais tomber avec des Sosie Jopi, je vais tomber avec que des mecs comme ça. Regardez-moi ce bot, regardez. Les bots, ils font des allers-retours, parfois ils nous ignorent un peu. Et je connais les bots par cœur maintenant, bon, étant donné que je suis un bot. Ah ouais, ah, en vrai je connais. Eh les gars, vous savez que j'ai regardé aucune vidéo sur Gus. Moi, j'ai juste vu des mecs en face l'avoir. Du coup, j'ai un peu compris comment il se jouait. Mais attendez, c'est quand? On a une barre rouge, elle sert à quoi? Ah d'accord. Ok, c'est quand je touche quelqu'un avec alors que j'ai la barre rouge. Du coup, ça fait spawn un truc. Et mon outil. Waouh. Ah ouais, chiche. Oh yo 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 yo.
Je demanderai au monteur de couper ça au montage, ou pire, j'ai honte. On y retourne pour le deuxième game. Je coupe pas la vidéo tant que j'ai pas fait un top 1. C'est grave de recharger aussi lentement. Et en plus, j'ai un shoot de Halo. Aya, aya, aya. Wesh, attendez quoi? Mais attendez, il sert à quoi son ult? Mais il est nul. Ok, gadget. Ok. En fait, ça va faire exploser la tête de mort. D'accord. Un peu à la manière de Sam, j'ai l'impression. Ah, bel ulti, primo. Aya, aya. Wesh. Oh, attendez, comment j'ai eu un bouclier? Wesh. Attendez. Ah! Mais vous avez vu, je me fais focus par toute la map aussi. On a toujours dit jamais 203. Et la troisième, c'est la bonne. La troisième, c'est la bonne. Wesh, ah, ils se sont suicidés. Mais non, et on va pas cracher dessus. Hein. Oh, oh, il est trop stylé, l'emote. Wesh, il est trop stylé. En fait, les balles, elles vont pas à la vitesse où je pensais que ça allait. En fait, j'ai l'impression, et je vous jure, j'ai l'impression qu'il a la même famille que Colette. Attendez, c'est une impression de... C'est mon impression ou quoi, là? Genre, t'imagines, c'est peut-être son petit frère ou un truc à peu près du genre. Genre, je sais pas. Et en plus, il est malicieux, un peu comme Colette et tout. Intéressant. D'ailleurs, on a fait le top 1. Hein. C'était magnifique. Enfin, voilà. Bon, bien évidemment, les gars, je ferai une vidéo où je le mettrai sûrement en 30. Je vous apprendrai les petits tutos, etc. S'il y a 200 likes sur cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous, c'était Youdou. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut, salut.